fait que je veuille immigrer, c'est pour moi. C'était vraiment pour moi. C'était vraiment, quand je me regardais, c'était pas possible, quoi. C'était, non, c'est pour moi que je le fais, c'est pas pour les autres. Moi, j'ai vraiment décidé de perdre du poids pour moi. Le regard des autres a beaucoup changé, surtout celui de mon conjoint, qui me regarde avec fierté, et ça, je suis très satisfaite. Je me plais plus, je m'habille mieux. Mon mari, même si il me disait que ça ne changeait rien, je vois bien qu'il me regarde d'une autre façon. Ça me touche beaucoup de voir le regard de mon mari comme lors de notre première rencontre. Voilà, et ça, c'est très positif. C'était plus un rééquilibrage qu'il me fallait et pas sur une restriction et frustration. Et j'ai trouvé ça, ça me correspondait parfaitement. Et quand je dis aux gens que je fais Cohen ou quand les gens voient que j'ai maigri, qu'est-ce que vous avez fait? Quand je dis j'ai adapté Cohen à ma façon d'être, mais j'ai pas fait Cohen, les gens pensent que j'ai pris des médicaments, pensent que j'ai pris ci. Non. C'est leur expliquer qu'eux aussi ils peuvent faire ça. Je pense que le programme Savoir Maigrir est adapté à tout le monde, puisque avant de commencer, il y a un questionnaire très précis, à la fois sur nos problèmes digestifs, nos problèmes disons d'éthique, ceux qui ne mangent pas de viande, ceux qui sont allergiques au gluten, au lactose, au fibre, enfin à tout ce qu'on veut. Et en fonction de ça, l'âge qu'on a, on vous sort un type de plan repas qui en plus peut adapter à votre budget. Sur le site, on pense que c'est que tous les conseils donnés sont les mêmes pour tout le monde et non, d'une personne à l'autre, en fonction de sa motivation, de son passé, ses expériences. On donne des conseils personnalisés. Au niveau des plans de repas, c'est vrai qu'à peu près tout est possible. On peut tout à fait respecter les 3 repas par jour, comme on peut très bien faire 2 repas et une collation, voire même sauter un repas pour ceux qui, par exemple, n'aiment pas prendre de petit déjeuner. Donc on peut vraiment complètement personnaliser, on peut déplacer les aliments au cours de la journée. Du coup, j'ai personnalisé le programme dans le sens où le matin, moi, j'ai du mal à me passer du Nutella, qui est mon petit péché mignon. Je sais que 2 cuillères à café de Nutella, dans les équivalences, c'est 10 mg de beurre en moins et un fruit en moins sur la journée. J'ai ressenti beaucoup de soutien de la part des diététiciennes parce qu'à chaque fois que j'avais des questions, elles me répondaient très rapidement et je pouvais compter sur elles à chaque fois. Pour commencer, je me sens bien dans ma peau. Encore ce matin, là, quand je me lève et que je me trouve en face de la glace, je dis « purée, ça fait plaisir ». Je me sens beaucoup mieux, mieux dans ma peau, j'ai repris confiance en moi, je le sens au niveau des regards des autres personnes. Quand on se regarde dans la glace aussi, et quand on s'habille le matin, du pantalon 60, je suis descendu au 46, les chemises, tout. Les gens ne me reconnaissent pas dans la rue. Je dirais que je me sens mieux dans mon corps et plus tonique. J'ai retrouvé un côté tonique. Ça m'a changé carrément. Je peux profiter directement de mes enfants en faisant des activités scolaires que je ne faisais pas avant. Je n'allais pas aux activités scolaires de l'école. Aujourd'hui, je le fais. Enfin, si, ça a changé ma garde-robe, forcément. Voilà, donc, mais toute la garde-robe, que ça va du jean aux sous-vêtements, c'est juste, faut tout refaire. Mais le regard des autres, si, des félicitations, des filles surtout, qui viennent me demander « comment t'as fait ?» Heureusement que je me sens bien dans ma peau. Et ça, c'est la plus belle des choses. Ça change énormément de choses, ça change la vie. C'est à tous les niveaux, physique, j'ai la forme maintenant, j'ose sortir de chez moi, j'osais plus. Et c'est faire les magasins, le shopping, tout ça, reprend une activité, une vie épanouissante. Aujourd'hui, je me sens très bien. Je ne me rappelle pas avoir atteint ce poids-là un jour. Et je vais aborder la phase de stabilisation. Donc j'ai commencé à augmenter petit à petit, progressivement, mes niveaux caloriques. Je suis très contente du résultat. Je sens que c'est vraiment la méthode que je vais pouvoir tenir au long terme.
je sens vraiment que cette fois-ci, je suis sur un rééquilibrage alimentaire que je vais pouvoir conserver pour toujours. Ben, je remercie vraiment l'équipe Savoir Maigrir de m'avoir accompagnée dans ce rééquilibrage. Au jour d'aujourd'hui, ça a changé ma vie, je n'ai plus de complexe hein, et je peux participer à la vie de tous les jours avec mon entourage.